Peut-être aurez-vous comme moi la sensation d'être confortablement installé dans une salle obscure, avec le sentiment d'observer ce qui paraît être une image vivante. Il y a à travers le choix des couleurs, le dessin des ombres, à travers l'intensité des regards et des gestes captés, il y a une émotion qui se dégage de l'instant observé. Je suis heureux que nous puissions offrir à nos étudiants en cette rentrée universitaire l'opportunité de découvrir votre travail à travers cette belle exposition. À nos étudiants, à nos personnels également, et plus largement à tous ceux qui le souhaitent et qui franchiront les portes de ce campus, cette exposition est donc offerte d'une certaine manière. Dans cette exposition, elle est sur le thème cinéma-peinture. J'ai réuni des œuvres qui n'abordent que ce thème-là exclusivement. Ce que l'artiste a voulu retranscrire dans cette exposition, c'est vraiment son amour du cinéma. Et je pense que c'est assez intéressant aussi parce qu'on a des étudiants sur ce campus universitaire et c'est super pour eux et c'est une vraie porte d'entrée assez simple. C'est un pan de mon travail, petite rétrospective de mon travail sur le cinéma. L'installation vidéo est quelque chose de nouveau, la présentation de mon travail, parce qu'il permet de montrer mes sources. Vous avez mon inspiration et puis vous allez pouvoir vous amuser aussi à retrouver les moments précis d'émotion que j'ai retenus. L'œuvre qui m'a marqué le plus, ce serait Hollywood Toast. Donc c'est une œuvre qui est à la Rotonde, donc ce grand espace à l'étage. Il représente un déjeuner de mariage avec plein de personnes autour d'une grande tablée. L'un des tableaux sur lesquels on voit vraiment le grain, le matériau, tout ce qui plaît à l'artiste. Et ce cadre art déco, il l'habille magnifiquement et je trouve que dans la Rotonde, il trouve vraiment une très belle place. Ce n'est pas courant de pouvoir montrer ses œuvres 3 mois de suite dans un espace aussi adéquat qui met en valeur les œuvres. Cette exposition, elle commence le 14 septembre 2022 et elle se tiendra jusqu'au 10 décembre 2022. Elle est ouverte bien sûr à toute la communauté universitaire, les étudiants, les professeurs, tous ceux qui sont amenés à venir sur le campus et même aussi pour toutes les personnes du quartier, tous les gens qui voudraient venir la visiter. On est vraiment très ouverts. Une volonté de donner à l'UCLI un vrai rayonnement sur le plan culturel. On s'attend également à recevoir des visiteurs de toute la ville. L'UCLI résonne merveilleusement avec un certain nombre de mes peintures. La Rotonde est encore plus fabuleuse dans ce sens où c'est un panoptique entièrement symétrique, où tout converge.